Voilà, soyez tous et toutes les bienvenus dans la présence de Dieu. On va se mettre debout si vous voulez bien. Alléluia. On a ce matin les lève-tôt. On a ce matin les lève-tôt. Voilà, il n'est pas 9h30, il est 8h30. Nous étions là, c'est pas pour se faire plaindre, à 7h30. Donc on était là à 6h30 ce matin. Donc, mais en fait, c'est 7h30 maintenant. Hein. Donc soyez vraiment tous et toutes les bienvenus dans la présence de Dieu. On est très très heureux de se retrouver ce matin. On accueille également nos frères, nos sœurs qui sont sur Internet. Et je crois que ce matin, on va être bénis du Seigneur. Le Seigneur va vraiment nous bénir, nous faire du bien, nous renouveler par son esprit. La présence de Dieu est ici. La Bible dit que la présence de Dieu est là. Le Seigneur est merveilleux, il est ici. Amen. Il est là, il est fidèle, il est là. Même quand on passe par des moments difficiles, quand on passe par des moments sensibles, la présence de Dieu est toujours là. On peut avoir l'impression qu'il n'est pas là, mais il est là. Amen. Alors tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, sois le bienvenu, Jésus est là ce matin, il est présent dans ce lieu. Alléluia, il est ici. Le Seigneur est ici. Alléluia. Le Seigneur est ici, il se manifeste, il va agir ce matin dans sa maison. Alléluia. On va prier, on va demander à Dieu de bénir ces moments, que le ciel ce matin soit dégagé, que la présence de Dieu se manifeste. Seigneur, merci parce que tu es ici, tu es là ce matin, tu es là avec nous, tu es avec les bien-aimés qui nous suivent sur le net et nous prions afin que l'Esprit de Dieu soit à l'aise au milieu de nous. Nous prions, Seigneur, que ta gloire vienne véritablement, Seigneur, guérir, sauver, délivrer, libérer les captifs. Seigneur, même guérir les cœurs brisés ce matin dans ta maison. Merci pour la joie qu'il y a. Oui, comme disait l'homme de Dieu, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Seigneur, nous nous réjouissons de tout notre cœur. Nous voulons vraiment te dire à toi la gloire, à toi la louange et à toi l'honneur, notre Dieu, notre Père. Par la puissance du Saint-Esprit, on acclame Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous courbons pour élever son nom. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Yeah.
Tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Montrez à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Alléluia, Seigneur, te bénissons ce matin pour ta présence. Merci, notre Dieu, notre Père, nous allons voir ta gloire. Je le déclare au nom de Jésus, notre Sauveur, dans ce lieu, dans cette ville, dans ce pays même. Alléluia, Jésus. C'est le moment où vint l'obscurité. La mort réclame la victoire.
sommes là dans la présence de Dieu ce matin. Nous allons nous commémorer en ce jour de Pâques. Nous allons nous rappeler de ce que Christ a accompli à la croix. Et la Bible dit, elle parle de deux hommes sur le chemin d'Emmaüs qui ne comprenaient pas bien ce qui se passait. Ils n'ont pas compris que Jésus devait mourir sur une croix, que Jésus devait livrer sa vie pour les péchés de l'humanité. Ils avaient Jésus qui était là à côté d'eux, et eux, ils broyaient du noir, ils étaient malheureux. Et la Bible dit dans Luc chapitre 24 et au verset 26, ils vont vivre un moment surnaturel. Ils vont passer de l'ombre à la lumière, des ténèbres à la lumière, à la vie. Quand ils vont réaliser tout ce que Jésus a accompli pour eux. Et la Bible dit ceci, alors que Jésus les a rejoints sur ce chemin de dépression, si je puis dire. Et tout va changer. Moi, je crois que ce matin, tout peut changer pour toi. Dans cet instant divin, dans cet instant où nous réalisons la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus. Il est écrit, ne fallait-il pas, c'est Jésus qui parle à deux disciples, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. » Le jour est sur son déclin et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. La Bible dit, alors leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés. En disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent. Alléluia. Est-ce qu'il y a des bien-aimés qui ont un témoignage ce matin dans la présence de Dieu, qui ont rencontré le ressuscité, pas juste le Messie souffrant sur une croix, mais celui qui est vivant également aujourd'hui. Et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Je prie afin que dans ces moments, nous ne cédions pas à la tradition, mais que nous ayons une communion vivante avec le Seigneur Jésus qui est mort. Et bien plus, il est ressuscité, alléluia. Alors si tu es en règle avec le Seigneur ce matin, si tu es ok, eh bien tu peux t'approcher de Dieu et prendre le pain et le vin et une coupe de bénédiction. Amen. Se réjouit dans son Saint-Nom.
tu règneras et tout l'univers se réjouit dans son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des il est Seigneur. Ce matin dans sa présence, élevons nos voix dans la présence de Dieu, tous ensemble, d'un même cœur, disons au Seigneur qu'il est bon ce matin, il est merveilleux ce matin. Nous sommes venus t'adorer, te célébrer, Seigneur. Merci pour ta victoire sur la croix. Merci d'avoir vaincu le mal pour nous, notre Dieu, notre Père. Parce que tu es là ce matin, tu es présent dans ce lieu. Quel bonheur, Seigneur, de t'appartenir. Quel bonheur, Seigneur, de te servir. Quel bonheur de te glorifier. Quel bonheur de nous approcher de toi. Oui, un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs, Seigneur. Vraiment, nous voulons te dire à toi l'honneur, la gloire, la louange ce matin. Seigneur, nous voulons être reconnaissants. Ta parole dit que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, fanfarons, ennemis même des gens de bien. Mais Seigneur, nous ne voulons pas être centrés sur nous-mêmes, centrés même sur nos besoins et nos souffrances. Mais nous voulons être centrés sur toi ce matin. Nous voulons, sommes venus offrir un sacrifice de louange à notre Dieu. Grâce sur grâce dans le nom de Jésus. Alléluia. Que ta grâce, Seigneur, passe sur nous, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus.
dans le nom de Jésus, combien nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Jésus, que le nom de Jésus soit élevé au milieu de nous, pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour sa bénédiction. Alléluia, Seigneur, combien nous te bénissons. Ton nom résonne, ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, alléluia, tout est à volonté te ressembler, toi qui m'as aimé.
simplement par amour. Tu m'ouvres tes bras simplement par amour. Tu veilles sur moi simplement par amour. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence ce matin au milieu de nous. Nous voulons vraiment te dire à toi la gloire, à toi la louange pour ta bonne présence, Seigneur, dans l'Église ce matin. Merci parce que tu es venu libérer les captifs, tu es venu chasser les démons, tu es venu vraiment apporter la vie, une bonne nouvelle aux pauvres. Ta parole dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous voulons te dire vraiment merci, Seigneur, ce matin. Merci pour ta puissance, merci pour ta grâce, merci pour ton onction qui est là, dans le nom de Jésus, alléluia. Oh Père, à toi la louange, l'honneur, la gloire, Seigneur. Dans ta présence, nous te louons. Alléluia. Alléluia, tu es venu ce matin dans ce lieu. Et tu vis des souffrances, des luttes et des combats, et tu es malade. Tu es malade, tu es malade. Ton âme est malade, languissante, et ton corps aussi est malade et atteint. Et le Seigneur te dit ce matin, j'ai un plan, j'ai pour toi un plan de restauration et de guérison, car j'ai tout porté à la croix. J'ai porté tes maladies, j'ai porté tes douleurs, j'ai porté même tes péchés. Alors le Seigneur te dit ce matin, saisis par la foi ma guérison. Saisis par la foi le pardon et entre dans ce repos que je t'ai offert à la croix. Le Seigneur te dit qu'il est celui qui fait cesser les combats sur toute la terre. Tu luttes et tu combats. Et le Seigneur te dit, il est celui qui fait cesser les combats. Il est un Dieu de grâce. Et il te dit, repose-toi mon enfant. Repose-toi, mon fils, ma fille, repose-toi sur moi. Je t'aime d'un amour éternel et j'ai tout payé à la croix pour toi, dans le nom de Jésus. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Jésus le roi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus bien fort? Alléluia. Yes, une ovation Seigneur. Allez, ouais. Alléluia. Oh, amen. Avant de vous rasseoir, tournez-vous vers deux, trois personnes et dites-lui, la louange, c'est une arme entre les mains de Dieu. Vas-y, dis-lui, la louange, c'est une arme entre les mains de Dieu. Pour chasser les démons. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. On va arrêter là ce temps de louange, puisque nous avons la joie ce matin d'avoir le pasteur Christian Lévy qui est avec nous, au milieu de nous, avec Martine aussi qui s'est adressée aux femmes, donc hier. Et j'aimerais lui laisser la place au maximum avec un appel, Dieu voulant, tout à l'heure. Alors je voudrais simplement rappeler qu'aujourd'hui les ados sont invités à venir dans la maison du Seigneur, ils ont un rendez-vous à 17h. Je voudrais également signaler les réunions de prière, d'intercession cette semaine. Donc, on se retrouve bien sûr mardi à 10h, jeudi 19h30, vendredi 14h, et l'étude biblique mardi prochain avec notre frère, le pasteur Christian Lévy. Il y aura également, nous avons appris le décès de notre frère Jean-Pierre Lefrançois qui a rejoint la patrie céleste. Donc nous aurons la cérémonie d'obsèques ce jeudi 4 avril à 15h. Donc si vous ne travaillez pas, évidemment, que vous pouvez venir soutenir ce temps dans la présence de Dieu. Eh bien, c'est à 15h ici à l'église et à 16h30 au cimetière du Madrier à Saint-Étienne-du-Rouvray.
les groupes de maisons. Nous aurons un groupe de maisons ce vendredi 5 avril à 19h30 chez la famille Le Tellier au Vaudreuil. Je voudrais également signaler que samedi prochain, il y aura le soutien scolaire de 10h à midi. Donc, c'est des séances gratuites, bien entendu, pour les élèves et les étudiants en primaire, en anglais, maths et français. Nous aurons également un culte en langue arabe samedi prochain de 11h à 13h ici dans la grande salle. Et également le prochain rendez-vous Jeunesse Connect ce samedi à 17h30. Nous aurons aussi dimanche la collecte de l'entraide Aimer c'est agir qui organise tous les premiers dimanches du mois une collecte alimentaire mais aussi d'hygiène, de pièces jaunes et de dons financiers. Donc c'est dimanche prochain, 7 avril. Il y aura aussi dimanche prochain une agape fraternelle. Donc c'est pour ceux qui souhaitent rester, manger avec nous. Nous aurons toute la journée dimanche prochain, donc ensemble, donc pour les personnes seules qui souhaitent un repas offert, veuillez vous rapprocher de notre sœur Igénia et de Jean-Marc. Je voudrais également signaler que dimanche prochain, nous aurons des baptêmes. Donc, nous aurons le culte à 9h30, 11h30, et puis le soir à 17h, nous aurons 4 baptêmes le matin à 11h30 et 14 baptêmes donc l'après-midi à 17h. Nous aurons 18 baptêmes. Amen. On se réjouit dans la présence du Seigneur. Je voudrais également signaler concernant le pôle enfance et des événements à venir. Donc, le pôle enfance organise une après-midi pour les enfants des églises de la région à partir de 5 ans, ce samedi 13 avril. Des ateliers, des chants, l'enseignement biblique interactif et bien d'autres surprises attendent tous les enfants, voisins, amis et familles pour participer. Il sera nécessaire de s'inscrire via le lien HelloAsso. Donc, si vous ne l'avez pas reçu ou pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Virginie, qui est responsable du pôle enfance. Authentique, les adolescents organisent un mini-camp les 4 et 5 mai prochains pour les ados de 11 à 16 ans. Les places sont limitées à 42 participants. Ne tardez donc pas à vous inscrire via HelloAsso. Pour tout renseignement, contactez le responsable Manu Brechini. Pas aujourd'hui, il n'est pas là, mais dès la semaine prochaine. Le pôle enfance également organisera un mini-camp les 18, 19 et 20 mai. Il est ouvert aux enfants de 6 à 12 ans. Merci de rapporter les fiches d'inscription complétées à la responsable Virginie également. Nous aurons aussi donc des veillées de prière. Il y a un truc qui sonne. Voilà, c'est ça. C'est la technique. C'est pour que je maintienne le rythme. Tic-tac, tic-tac. Et ça va sonner, on dirait que c'est une bombe qui va exploser. Donc, nous aurons des veillées de prière jusqu'à l'été. Donc, 3 veillées de prière. Notez bien les dates, mettez-les dans votre agenda. Donc, des veillées de prière les vendredis 19 avril, 24 mai et 7 juin, de 21h à 1h du matin. Nous aurons 3 veillées de prière, donc les 19 avril, 24 mai et 7 juin. Soyez là, je crois que par la grâce de Dieu, nous allons vivre des percées spirituelles dans ces nuits ou ces veillées de prière de 21h à 1h. Je signale également concernant la Sainte-Seine, les kits Sainte-Seine que vous avez commandés ont été livrés. La distribution commence aujourd'hui et se poursuivra le jeudi 4 avril après la réunion de prière, ainsi que le dimanche prochain 7 avril. Donc merci de passer dans le hall auprès de notre sœur Claudie. Donc Natacha n'est pas là ce matin, ils ont eu un petit incident. Donc on va prier d'ailleurs, c'est Onès qui s'est blessé à la joue en faisant des travaux. Donc ils sont partis à l'hôpital ce matin. Donc on va prier pour eux afin que le Seigneur les bénisse. Mais vous pouvez toujours récupérer donc les kits auprès de notre sœur Claudie. Pardon. Donc je voudrais également signaler, notre frère Camille est aujourd'hui dans un week-end de jeûne où il a surtout le week-end la louange et l'adoration. Je voudrais signaler que notre frère Camille donc va poursuivre son stage, je l'ai dit à l'Assemblée Générale ce mardi dernier. Merci d'ailleurs à ceux et celles qui sont venus et qui ont participé. Donc je voudrais donc signaler que notre frère, après 3 ans de formation avec moi, il a donc validé ses dossiers de doctrine.
au mois de mars, là, enfin, dans le cadre du congrès. Et donc, il va aller plus loin sur Bourges avec le pasteur Jean Lartin et il va poursuivre un premier stage pastoral, puisque là, il était dans une période, comme on dit, de pré-stage. Donc là, il va poursuivre sa formation naturellement. C'est le chemin de pas de toute la terre, mais de tous ceux qui suivent des formations dans le cadre des assemblées de Dieu. Donc Camille poursuivra son stage, bien sûr, avec Adonai et le petit Zacharie. Ils rejoindront ce beau couple, Jean et Nathalie, pour ceux qui ne savent pas, qui étaient également en stage avec moi quelques années. Voilà, si vous avez besoin de renseignements particuliers, d'informations, vous pouvez toujours aller au point info à la sortie. Il y aura toujours quelqu'un pour vous orienter et vous diriger dans le cadre des activités de notre assemblée. Soyez bénis et on ouvre bien nos cœurs à la parole de Dieu. On accueille notre frère Christian Lévy. Au Seigneur, est-ce que vous savez que c'est extraordinaire? Nous avons un Sauveur ressuscité. Alléluia! C'est extraordinaire. Tout ce qui s'est passé avant la croix et la résurrection ne pourrait pas avoir d'impact sur nous si Christ n'était pas ressuscité. C'est extraordinaire. Et ce matin, puisqu'il est ressuscité, il est, dites-le avec moi, il est là, il est ici. Et donc, ce matin, ce qui compte, c'est sa parole et sa présence. Le pasteur qui prêche, comme je le dis parfois, c'est juste une caisse de résonance. Mais ce qui compte, c'est que Jésus est là. Ce qui compte, c'est que le Saint-Esprit est là. Ce qui compte, c'est que la parole de Dieu que nous allons partager, elle est puissante, elle est vivante, elle est efficace, elle est expérimentable. On peut dire que ça, hein? Tu peux ce matin expérimenter peut-être quelque chose que tu n'as jamais saisi de la parole de Dieu parce que Christ est vivant. Je l'ai bien sûr demandé à Yvan, votre pasteur. Merci déjà pour l'invitation, je lui ai dit, il faut que tu fasses chanter ce chant « Grâce pour grâce ». Alors, c'était la première fois, donc c'était bien. Et la deuxième fois, ça sera encore mieux, parce que ce chant, on va le rechanter tout à l'heure. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'aimerais ce matin, parce qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité, te dire que sa grâce, il me faudrait la répandre sur toi, mais d'une manière divine. Et on va avec l'Écriture, parce que par contre là, il n'y a pas qu'un seul culte, il y en a deux. Je protège ça, il faut que je fasse attention, hein, parce que je... voilà. En plus, ma montre était arrêtée, puis elle s'est remise en route. Donc, est-ce qu'il y a une autre horloge quelque part ? Ici. Super. Je vous vois à Dieu. La grâce de Dieu. Paul, dans les Éphésiens, on va lire au chapitre 1er et au verset 7. Où l'apôtre commence à parler aux Éphésiens des effets de la grâce. Et il cite un certain nombre de choses. Il déclare ceci, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Première grâce de Dieu.
J'espère que à toi qui entends cette parole ce matin, tu peux dire, eh bien, j'ai saisi ce premier aspect de la grâce qu'est le pardon de mes péchés. Sans pardon de nos péchés, eh bien, nous restons tout simplement perdus, séparés de Dieu. Quelle grâce qu'il nous ait pardonné tous nos péchés, qu'il n'ait pas dit « je te pardonne celui-là, je suis là, mais celui-là, je ne peux pas ». Non, la Bible nous dit que par la grâce de Dieu, c'est un effet de sa grâce, nous avons la rédemption par son sang et nous sommes parfaitement lavés et purifiés de tout péché, pour autant que nous nous sommes approchés, bien sûr, de lui. Dans une autre version, je dis ceci, ce même verset, c'est par ce Fils et au prix de son sang que nous avons été libérés de ce qui nous tenait en esclavage. C'est parce que nous sommes un avec lui que nous avons été lavés du péché et que toute offense a pu nous être pardonnée. Alléluia. Le pardon de Dieu. Quelle grâce. Est-ce que tu sais que c'est cela qui va te permettre d'entrer au ciel? Ce n'est pas parce que tu auras été au culte tous les dimanches, à la réunion de prière, aux études bibliques. Ce n'est pas parce que tu auras fait telle ou telle chose, mais quand tu seras devant les portes d'or, et que là, les portes s'ouvriront, parce que tu entendras cette parole, « Entre, bien-aimé, parce que toi aussi, je t'ai pardonné. » Alléluia. Vous connaissez cette histoire de ce mari dont l'épouse était une chrétienne fidèle. Et elle disait à son mari, « Viens écouter la parole avec moi. » Et son mari disait, « Non, vas-y pour moi, vas-y pour moi. » Et ça a duré des années comme cela. Et son épouse priait, « Seigneur, parle au cœur de mon mari, qu'il soit sauvé. » Et ce mari lui fait un rêve. Un rêve incroyable. Il arrive aux portes du ciel avec sa femme dans son rêve. Et les portes s'ouvrent. Alors, il est tout content. Et il entend une voix qui dit à sa femme, « Entre pour toi et pour ton mari. » Et lui reste dehors. Et là, il se réveille. Et il se dit, « Mais ce n'est pas possible. » Je ne suis pas entré au ciel dans ce rêve parce que ma femme, seulement elle, a pu entrer pour les deux. Comme je lui disais, chaque fois, vas-y pour nous deux. Et puis elle était entrée au ciel dans son rêve pour les deux. Est-ce que vous me suivez? Oh, vous êtes réveillés. Et puis ça l'a réveillé en tout cas. Ça l'a bouleversé. Et il s'est dit, il vous faut que je réponde à l'appel de Dieu. Et il s'est donné au Seigneur. Dieu a parlé à son cœur. Pardonnez. La deuxième bénédiction dont l'apôtre parle, il y a beaucoup de choses, mais je lis ceci, Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, car, verset 8 du même chapitre, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Alléluia. Il nous a rendus vivants. Nous étions morts, morts dans nos péchés, morts. Nous étions sans cette vie d'en haut. Et il nous a rendus vivants avec Christ. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Alléluia.
et tu n'es devant. Et tu n'es d'en haut. C'est ce que la grâce de Dieu nous offre. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Le moyen de la foi, et Paul insiste bien pour dire cela, ne vient pas de toi, de moi, de nous, c'est le don de Dieu. La grâce, c'est immérité. La grâce, c'est une faveur qui nous est faite. On ne peut pas se prévaloir de la grâce. Moi, je mérite la grâce. Non. Quelle grâce que Dieu a faite. Il aurait pu nous blesser avec nos péchés. Mais son amour, ah, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, c'est sa grâce. Seulement, la Bible dit une autre grâce incroyable. Nous sommes assis, verset 6 d'Éphésiens, chapitre 2. Il te dit ceci, il nous a ressuscités ensemble. Il est vivant, mais pas seulement. Il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Quelle grâce! Tu peux déjà dans ton cœur te dire, mais par la foi, et par sa grâce, je suis assis dans les lieux célestes. Quelle position, mes frères et sœurs, quand on réfléchit, assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est une position de victoire, c'est une position d'autorité. Béni soit Dieu. Dans la version Colombe, le verset 7, dit ceci, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse, écoutez bien, surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous. Je voudrais que tu réalises ce matin, parce que la parole de Dieu le dit, que si tu as déjà goûté à la grâce, le pardon, tu es revenu à la vie. Tu es même assis avec Christ. Mais ce n'est pas tout. La grâce de Dieu est surabondante. Et tu n'as pas pris tout. Tu n'as pas tout saisi. Et Dieu voudrait que nous sachions ce que c'est que la surabondance de sa grâce. D'ailleurs, lorsque Jésus, dans Jean 10, parle à ses disciples, il dit, je suis le bon berger, le bon berger. Donne sa vie pour ses brebis. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Alléluia, c'est formidable. Mais qu'il l'ait. Il n'est pas dit qu'il sait tout le reste en abondance. Mais qu'il ait cette vie-là en abondance. Il y a donc une abondance. Et cette abondance, elle ne doit pas rester théorique. Parce qu'on peut tous dire ce matin, mais ça fait 359 fois que j'entends un pasteur dire qu'on est assis dans les lieux célestes. Mais qu'est-ce que ça change dans ta vie de tous les jours? C'est ça l'important. On sait beaucoup de choses avec notre tête, mais que le Seigneur veut, par le Saint-Esprit, l'appliquer à notre vie de tous les jours. La grâce de Dieu nous propose de nous garder aussi jusqu'au bout. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er et au verset 3, je lis ceci jusqu'au verset 5, l'apôtre Pierre écrit, il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection, gloire à Dieu, de Jésus-Christ d'entre les morts.
Écoutez la suite. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. Et Pierre poursuit, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Alléluia. Mais il y a une condition, c'est par la foi. Pas par mes efforts, pas par mes mérites, mais par la foi. Je reste attaché au Seigneur avec foi, avec confiance, avec amour. Je m'attache à lui. Je suis gardé par la foi. C'est donc ma part et aussi la part de Dieu. Voyez-vous, dans la vie chrétienne, il y a toujours la part de Dieu et il y a aussi ma part. La part de Dieu, c'est de me garder. Ma part, c'est de croire qu'il va me garder, qu'il va veiller sur moi. C'est pourquoi, souvent, l'ennemi essaie de nous faire douter que Dieu va nous garder au travers des épreuves de la vie. Mais par la foi, nous chassons toutes ces pensées négatives de l'ennemi et nous disons, Seigneur, tu me gardes et je le crois. Alléluia. Une autre grâce, c'est ce que dira encore Paul lorsque, au chapitre 1er des Éphésiens, on y revient, il dit ceci au verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » En fait, tout est pour nous. On pourrait, on ne sera pas compte de ce que ça représente, ça. Béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Est-ce que ça ne te donne pas envie ce matin de dire, mais Seigneur, je crois bien qu'il y a quelque temps de cela, un certain prédicateur qui était ici a parlé d'élargir son cœur. Vous voyez que je suis branché. Je vous surveille. Non, je présente bien sûr. Mais oui. Parce que Dieu, lui, n'en a pas fini avec toi. Il voudrait que tu t'écoutes ce que c'est que la surabondance de sa grâce. Comblé. J'aime beaucoup cette version par le vivant sur ce verset. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a comblés. Il a déversé dans vous, sur nous, qui vivons dans la communion avec le Christ, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Est-ce que tu es conscient que c'est pour toi? Est-ce que tu es conscient, Christian, que c'est pour toi aussi? Je crois que le Seigneur voudrait dans sa grâce que tu viennes ce matin comme à sa table. Merci pour les sœurs qui déjà ont préparé et pour celles qui vont préparer. Et quand votre pasteur ramène les plats, il y a ça, il y a encore ça. Et moi, je suis là. Waouh! La table du Seigneur. La table du Seigneur. Mais tu ne peux pas t'imaginer. Pourquoi est-ce que tu prends juste une chips? Pourquoi? Il y a tout le reste. C'est pour toi. C'est pour que tu vives à sa gloire. C'est pour que ta vie reflète sa gloire. C'est pour que ta vie donne gloire à son nom. Ne marchons pas comme si nous n'avions qu'un vulgaire sandwich rassis. Mais réalisons, tu dresses devant moi une table.
et pas seulement pour casser la croûte, en face de mes adversaires. Je mange, je me régale, et mes ennemis sont là. Et moi, je suis dans la joie. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Vous avez déjà vu une stratégie militaire comme ça. Les ennemis sont là. Ils sont pleins de haine. Ce sont des féroces. Ils sont pires que les Vikings normands. Et toi, tu casses la croûte tranquille. Alléluia. Ça, c'est la grâce. C'est pas... C'est merci, Seigneur, par la foi. Alléluia. Jean, chapitre 1, verset 16. Parole vivante, j'aime beaucoup. Nous avons tous été comblés de ces richesses. Chacun de nous, en effet, a reçu sa part de surabondance divine qui le remplit. Il l'a déversé sur nous, l'une après l'autre, ses bénédictions et ses faveurs. J'en suis qu'à la moitié de mon message. Ainsi, la plénitude de la grâce en Jésus est disponible. Est-ce que tu voudrais te le dire à toi-même? C'est bien de le dire à ton voisin, mais le plus important, c'est que tu te le dises. La grâce, la plénitude de la grâce de Dieu en Jésus-Christ est disponible pour ma vie. Et ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas du grand n'importe quoi, de réclamer cela. C'est juste ce que le Seigneur te dise maintenant. Il te dit, mais toi, t'as la plénitude de la grâce de Jésus-Christ, elle est pour toi, elle t'est offerte. Tu entends ? Offerte. Comment ? Comment je vais pouvoir saisir plus de la grâce de Dieu? Bien sûr, tu peux te contenter, tu dois te dire, je suis sauvé. Mes péchés sont pardonnés. Attention, persévère jusqu'au bout dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ce n'est pas seulement dire, j'ai demandé un jour pardon à Dieu. C'est fait, je suis tranquille. Attention, ce n'est pas l'éternelle sécurité. Je suis gardé par la puissance de Dieu, par la foi. Mais si je fais naufrage quant à la foi, je perds mon salut. Alors, mon frère, ma sœur, si tu ne peux pas reculer parce que tu penses que rester où tu en es, ça suffit, eh bien, celui qui reste, il en est, il recule. En fait, il faut avancer. En fait, il faut désirer, avoir soif. Comment est-ce que je peux aller plus loin dans, je dirais, l'appréciation de la grâce de Dieu. Comment vivre plus dans cette grâce? Comment vivre davantage les bénéfices de la grâce de Dieu? Comment? Eh bien, c'est le moyen de la foi, c'est-à-dire sans aucun mérite. Ce n'est pas parce que tu prieras une heure de plus que tu seras plus sauvé. Par contre, si tu pries une heure de plus, tu seras plus solide dans la foi pour garder le salut que tu as reçu par grâce et par le moyen de la foi. Donc, la foi est absolument indispensable et, bien sûr, la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu crois à la puissance du Saint-Esprit? Amen. Combien il y en a qui croient à la puissance du Saint-Esprit ce matin? Amen. C'est cela aussi, par grâce, par le moyen de la foi, la main qui saisit le cadeau de Dieu, mais dans le cadeau de Dieu, il y a la puissance du Saint-Esprit pour vivre sa parole. Alléluia.
Ces deux conditions, on les retrouve en quelque sorte résumées par Paul lorsqu'il écrit dans les Galates, la version Colombe, « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. » Galates 3.2, « Est-ce en pratiquant la loi, c'est-à-dire des œuvres religieuses, des œuvres méritoires, j'ai fait ça, donc je mérite. » Paul dit, est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est en faisant, en essayant de suivre la loi, que vous avez reçu l'Esprit, ou en écoutant avec foi, version traditionnelle, ou par la prédication de la foi. Mais dans l'original, c'est l'écoute de la foi. C'est bien qu'il y ait la prédication. C'est indispensable. Mais la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Quand ce que j'entends est la parole de Christ. Cette parole-là éveille en moi la foi. Et parce que je crois, alors le Saint-Esprit peut agir. Jésus a promis que par son Esprit, il pourrait encore se déverser dans ta vie. Est-ce que tu crois que tu as tout reçu pleinement de Christ? La Bible dit, nous avons tout pleinement en Christ. Oui. Potentiellement, j'ai tout en Christ, mais qu'est-ce que je vis de ce tout en Christ? Et pour que je vive ce tout en Christ, il faut que j'aie encore cette foi en sa grâce qui veut me donner plus. Pour que ma vie soit plus à sa gloire. Il y a tellement d'âmes perdues, tellement d'âmes qui se meurent. Comment on va les gagner? Bien sûr qu'on peut les gagner, je dirais, avec s'approcher d'eux. On va dire les apprivoiser par une aide matérielle. On va leur montrer qu'un chrétien aime. Alors, il donne de son vêtement, de sa nourriture, de son argent, et pourquoi pas parfois lui offrir un toit. D'accord, mais ça ne sauve pas cela. Il faut l'action de l'Esprit. Il faut que tu sois rempli de l'Esprit. Il faut que, par la puissance du Saint-Esprit, tu gagnes des âmes à Christ. La grâce, elle n'est pas que pour toi, elle est pour les autres, mon frère, ma sœur. Et si tu ne la vis que petitement, tu ne pourras pas la partager. Mais si tu la vis grandement, cette grâce, tu vas pouvoir la partager. Jésus a promis, il me glorifiera en parlant du Saint-Esprit, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, tout ce qui est à Christ, et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit, il peut prendre de tout ce qui est à Christ, toute la grâce de Christ, son amour, sa compassion, son autorité, sa force. Pour la déverser sur ton cœur, dans ta vie. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux appelle le Saint-Esprit, on n'en parle pas souvent parce que c'est dans un verset qui est particulier, mais tout de même, l'Écriture appelle le Saint-Esprit l'Esprit de la grâce. Il prend de ce qui est à Christ. La grâce du Seigneur Jésus-Christ surabondante, et il me voudrait, est-ce que tu le comprends, la déverser sur toi ce matin? Ah ben non, je ne peux pas. Il faut que j'arrive d'abord. Il faut que je me prépare. Il faut que... Mais attends, la grâce, c'est une faveur imméritée. Tu n'as pas besoin ce matin de dire « il faut que je me prépare ». Il faut juste que tu croies
que c'est possible. Oui, mais j'ai besoin d'être sanctifié. Mais mon ami, si tu veux être sanctifié, laisse la grâce de Dieu par le Saint-Esprit descendre dans ta vie. La sanctification sans le Saint-Esprit, c'est quoi? Ce sont des efforts humains, religieux. Alors, on essaie. Des fois, on se donne, bon, ce matin, les habitudes. D'habitude, je suis en chemise. Alors, ça y est, le pasteur Lévi, il est sanctifié ce matin. Ah, ça, au moins, ça, c'est une tenue normale et correcte pour un pasteur. Ah, je suis sanctifié. Vous rigolez ou quoi? C'est pas ça, la sanctification. Bien sûr, il faut être habillé décemment, correctement, proprement. C'est plus sympa. Mais ce n'est pas ça qui va faire que le Seigneur va dire « Ah, Christian, tu as mis ta cravate ce matin, je vais te bénir. » Mon frère, ma soeur, c'est par grâce. Et quand bien même tu viendrais, je dirais parce que tu t'approches du Seigneur avec des vêtements sales, tu n'as pas pu te prendre soin de toi, la vie t'a cassé, t'a brisé. Mais tu es là ce matin, alors je veux te dire que tu es le bienvenu. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur, il est venu aussi pour toi, pas seulement pour les costumes et cravates. Il est venu pour chacun. C'est sa grâce, alléluia. Et ce matin, je voudrais que tu le comprennes. L'abondance de la grâce du Seigneur est à ta portée. Je ne dis pas seulement ta grâce, je dis l'abondance de sa grâce, seulement par la foi, sans aucun mérite. Sinon, la grâce ne serait plus une grâce. Jésus est là. Est-ce qu'on peut croire? Jésus est venu à nous ce matin. Selon sa promesse, on connaît ses versets par cœur. Deux ou trois, il est là. Toi qui entends la parole de Dieu, avec foi. C'est juste ce que le Seigneur te demande. Fais-lui confiance. Crois à sa parole. Encore une fois, pas ce que dit le pasteur, mais ce que tu as entendu de l'Écriture. Crois avec foi que tu peux recevoir ce matin une surabondante grâce de Dieu par la puissance du Saint-Esprit sur ta vie. Il a été vraiment pour nous la réponse absolue du Père. La Bible dit qu'il a été fait pour nous sagesse, pour que nous cessions d'être insensés, justice, pour que nous cessions de vivre toujours dans la culpabilité, sanctification, pour que nous puissions marcher de manière à l'honorer, la sanctification par le Saint-Esprit. Parce que j'obéis, j'ai cette foi obéissante à mon Seigneur, je lui fais confiance, il me sanctifie, il me transforme. Alléluia, je suis en chemin. Gloire à Dieu et rédemption, le libérateur. Un chrétien doit être un homme libre. Libre de toute addiction, de tout lien. Bien sûr que le Seigneur t'aime, mais il veut pas cette addiction, il veut pas ce lien. Elle te dit ce matin, je veux que tu en sois délivré. Je veux que tu sois vraiment un affranchi. Par ma grâce, n'est-ce pas Jésus qui a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez presque libre. Vous serez réellement affranchi. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Réellement, réellement affranchi. Terminer l'addiction pour tel et tel sujet.
terminé. Je suis libéré par la grâce de Dieu. Ce n'est pas seulement cru au pardon de mes péchés, mais ma vie va maintenant démontrer que je suis un libéré du Seigneur, un affranchi du Seigneur. C'est cette vie-là, au fond, tout simplement, comme dit Paul, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Si tu es libéré, affranchi, tu pourras aller vers les autres et tu pourras leur dire, tu sais, il l'a fait pour moi, donc il peut le faire pour toi. Cette vie-là de victoire sur le péché, sur la chair, sur Satan, sur l'esprit de ce monde qui voudrait sans cesse t'influencer pour que tu penses comme le monde pense. Mais vous ne savez plus, ça va, et plus le monde pense le contraire de ce que dit la parole de Dieu. Alors laisse la parole de Dieu, la pensée de Christ influencer ton cœur. Deviens vainqueur par le Saint-Esprit, gloire à Dieu. Est-ce que le pianiste, le frère pianiste peut venir? J'ai juste ce cher frère. Et peut-être si tu peux rejouer, c'est vrai que tout ça c'est un peu nouveau, mais rejouer ce chant grâce sur grâce, doucement. Et on va prier. Je crois sincèrement que ce matin, tu pourrais expérimenter, peut-être si tu ne l'as jamais expérimenté, recevoir cette grâce qui pardonne de tout péché. Si cela n'a jamais été fait, s'il y a ce matin des amis qui sont ici dans cette salle ou sur Internet, tu as besoin de recevoir ce matin la grâce du pardon de tes péchés. Et le Seigneur a tout accompli pour toi à la croix. Tu peux être ce matin pardonné, entièrement lavé de toute ta vie passée. Et quand le Seigneur pardonne, c'est pour que tu puisses entrer dans une vie nouvelle. La page de ton passé est arrachée. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Le pardon est pour toi. C'est sa grâce. Et peut-être il y a des bien-aimés ce matin qui ont besoin de saisir le pardon de leurs péchés. La grâce de Jésus par le Saint-Esprit, c'est aussi ces vagues de guérison. Oh, quand le Saint-Esprit passe, la grâce du Seigneur peut guérir ton corps. Et ce matin, dans ce lieu, dans ce temps, nous voudrions permettre au Saint-Esprit de prendre ce qui est à Jésus par les meurtrissures de Jésus et que la grâce de Jésus descende pour guérir les malades. C'est par la foi. Par la foi, mon frère, ma soeur, mon ami. Ta maladie ce matin, le Seigneur l'a portée sur la croix. Et sa grâce t'offre d'être guéri. Sa grâce t'offre de croire. Il dira à tel ou tel malade, crois-tu que je puisse faire cela? Eh bien, ce matin, réponds, oui, Jésus. Peut-être tu peux, dans cet instant, poser ta main là où tu souffres, si la chose est possible. Parce que la grâce du Seigneur, elle me va passer. Alléluia. Est-ce que tu ressens la présence du Seigneur par le Saint-Esprit qui passe au milieu de nous? Ces mains guérissantes, ces mains qui ont été clouées,
guérisse aujourd'hui les malades. Parce qu'il est ressuscité. Il t'offre sa plénitude. Trop souvent, tu n'as expérimenté que quelques visitations passagères. Mais sais-tu que le Seigneur voudrait te remplir, te combler du Saint-Esprit? Il faudrait que tu expérimentes ce fleuve abondant. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit, alléluia, en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Veux-tu ce matin sortir de toutes tes chaînes, être libéré de toute addiction? Et pouvoir ce matin dire, je suis libre. Je suis libre. Je ne suis plus prisonnier de tel ou tel lien. Le Seigneur me délivre de l'alcool, me délivre du tabac, me délivre de la pornographie. Il me délivre ce matin. Il brise mes chaînes, mes liens. Le Seigneur, par sa grâce, veut répondre ce matin avec abondance. Qui a soif? Qui a soif ce matin? Est-ce qu'on peut rester un instant dans la prière? Seigneur, je prie pour que par le Saint-Esprit, tu puisses combler par ta grâce tous ceux qui vont s'approcher de toi avec foi. Tous ceux qui vont dire, Seigneur, je ne mérite rien. Je suis conscient même de ma totale indignité. Mais c'est par la foi que je m'approche de toi. Je vais faire un appel. Nous allons prendre un instant. Est-ce que tu voudrais ce matin passer un cap? Est-ce que tu voudrais entrer dans un terrain nouveau? Est-ce que tu voudrais ce matin t'asseoir à la table du Seigneur et te servir? C'est pour toi. Si quelqu'un ce matin a faim de Jésus, si quelqu'un a soif de Jésus, alors qu'il peut venir se rassasier. Il peut venir et tu vas voir la gloire de Dieu sur ta vie. Tu vas voir tes chaînes tomber. Tu vas voir tes péchés récalcitrants être vaincus maintenant. Tu vas pouvoir rayonner de Christ. Et puis tu vas pouvoir pardonner. Parce que lorsque la grâce de Dieu vient, nous sommes rendus capables de pardonner à ceux qui nous ont fait mal. Laisse la grâce de Dieu guérir aussi ton cœur de toute rancune, de toute amertume envers qui que ce soit, envers ton frère, ta sœur, envers quelqu'un même tu ne peux pas. Laisse la grâce de Dieu. Oh, si tu voulais ce matin t'approcher, je vais simplement faire cet appel. Si tu veux t'approcher, si tu veux ce matin t'approcher de la table du Seigneur, je vais t'inviter à quitter ta place et à t'approcher simplement, sans aucun mérite, mais de dire ce matin, je crois en ta grâce. Si tu as le désir de t'approcher, n'aie pas peur. On peut peut-être se mettre debout quelques instants pour accompagner les frères et sœurs qui n'osent pas se lever peut-être. Lève-toi. Mon frère, ma sœur, on se lève devant le Seigneur. Nous avons tous besoin
d'un renouveau de sa grâce. Et ce matin, sa grâce est pour toi. Et c'est grâce sur grâce. Il ne se lasse pas de nous bénir. Il ne se lasse pas. Il veut que tu sois un libéré, un affranchi. Voir qu'à Dieu, je vais laisser votre pasteur reprendre ce chant et avec les frères qui ont l'habitude de prier, on va prier pour ses bien-aimés. Je voudrais juste demander, mon frère, ma soeur, ne t'approche pas du Seigneur en disant, Seigneur, j'ai peur, Seigneur, j'ai peur de ne pas mériter ta grâce. Mais ce matin, viens avec un cœur humble, peut-être même avec un cœur repentant. Viens ce matin, viens. C'est un temps de grâce, un temps de pardon, un temps de repentance, un temps de guérison, un temps de renouvellement, un temps de libération. Alors n'aie pas peur, approche-toi. Oui, nous ne sommes pas dignes. Il n'y a personne ici qui puisse dire « Je mérite ta grâce, mais elle est pour toi. Elle est pour toi. Amen. » Ton nom résonne, ton amour m'appelle pour découvrir que ta grâce, Seigneur, soit sur ma chaque soeur. Ta grâce qui est parfaite. Ta voix me dit « Tout est accompli. » J'ai tout payé, alors va et vis. Ton nom résonne encore une fois. Ton nom résonne, ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout est accompli. J'ai tout payé. Alors va et vis. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, ma seule volonté, te ressembler, toi qui m'as aimé. Sur grâce, tu as tout.
bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout est accompli, j'ai tout payé. Alors va et ton nom résonne, ton nom résonne, Jésus. Ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout est accompli, j'ai tout payé. Remerciez Jésus, il est vivant, il est ressuscité. Amen, amen, amen. On termine avec un dernier chant, de l'ombre à la lumière. Ce matin, on est passé de l'ombre à la lumière et la grâce de Dieu est ici. Amen. Offert
Seigneur vous bénisse abondamment, on se dit à ce soir, 17h, soyez bénis.